Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau partenariat avec la boutique en ligne globeland.com. Donc cette fois-ci j'ai pris essentiellement des matrices et une planche de tampons. C'est arrivé livré comme d'habitude dans une enveloppe bulle. Il semblait que j'avais un petit papier avec. Oui, c'est ça. Donc, ils fournissent toujours le récapitulatif de ce que vous avez choisi, que ce soit en partenariat ou pour une commande. Donc là, j'ai déjà des faits. C'était scotché de cette façon. Voilà, afin de bien protéger tout ça. Et j'ai pas tout défait. Je voulais pas faire trop de bruit. Alors, une paire de ciseaux. Et oui, j'aurais dû penser que c'était doublement scotché. Voilà. Donc, j'avais pas encore d'effet. J'avais juste enlevé le scotch. Enfin, seulement une partie. Et voilà. Hop, ça, c'est fait. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, je vais commencer par la planche de tampon. Donc, c'est une planche de tampon avec le clavier d'un piano, je pense, et des notes de musique, des partitions, des lignes de partition. Plus ça, c'est bientôt la fête de la musique. Ce serait bien que je pense à faire une création sur le thème de la fête de la musique. Je passe toujours à côté des événements, moi. J'arrive toujours trop longtemps après. Et donc, du coup, je ne fais jamais. Mais là, peut-être que cette fois-ci, ça tombera bien. Donc, voilà, une très, très jolie planche de tampon. J'aime beaucoup. Alors, c'est quoi les paroles? Silent night, holy night. Voilà, c'est la chanson-là, les partitions de cette chanson. La 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 la. Je pense que vous vous retrouvez. Voilà. Ensuite, très joli. En tout cas, je suis pressée de tamponner pour voir comment que ça tamponne. Ensuite, j'ai pris des matrices, de grandes matrices. Ça aussi, je suis impatiente de tester. Je ne sais pas si je vais avoir le carnet qui correspond. Alors, ça c'est celui-ci. Hein, je comprends pas pourquoi. Ah, je comprends pas comment c'est fait. Alors, voyons voir. Bon, c'est pas grave, je vais voir ça. Donc voilà à quoi ça sert. Cette matrice, c'est pour en faire faire. C'est pour en fait faire des pages d'agenda. Voilà, faire ses propres pages d'agenda soi-même. Donc là, on a celle-ci. Bon, on a des éléments pour décorer. Et là, ici, celle-ci, c'est censé faire une pochette qu'on va venir plier sur elle-même. Vous voyez? Mais alors, j'ai pas tout compris. Bah oui, mais c'est en faisant que je comprendrai, j'imagine. Donc dedans on a un papillon, on a un tag étiquette, une feuille de ginkgo, c'est ça, hein, je sais plus, un feuillage normal. Là on a de quoi faire des petits œillets en pointe et il y a des petits œillets ronds sur celle-ci. Il faudrait peut-être une feuille. Je fais une pause, je reviens tout de suite. Voilà, alors du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai pas encore vraiment tout compris, mais je pense que les deux doivent se superposer et cela permet donc de faire des pochettes. Parce que là je vois qu'il y a une vague comme ça, là il y a cet arrondi, vous voyez, et ensuite c'est replacé encore sur certainement celle-ci. Voilà, donc je pense que c'est ça, c'est une superposition. Et peut-être que pour obtenir cette page-là, il faut faire deux fois celle-ci, je ne sais pas. De toute façon, je vous montrerai ça en vidéo, hein, une fois que j'aurai tout défait, que je serai prête à faire la vidéo la semaine prochaine, je vous montrerai tout ça. La semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est pour la première matrice. La deuxième, c'est le même principe, mais c'est un autre thème. Là, c'était papillon, libellule, abeille. Voilà, on a de quoi faire les œillets en rond, en fleurs ou en pointe. Et le deuxième,
c'est plutôt sur un thème voyage. Je vous montre. Vous voyez. Donc, voyons voir ça. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, il y a une pochette, une deuxième pochette, et donc je pense que ça doit se placer sur une base à faire soi-même. Et une troisième pochette. Voilà, donc là ce sont des pochettes. Des pochettes qui partent hop comme ça. Je sais pas si on voit. Oui, on voit. Et là, une plus petite. Là, c'est une petite qui vient sur les autres. Je vous remontre. Bon, là, forcément, ça parle pas tellement, entre guillemets, parce que bien sûr, ça ne parle pas du tout. Quand je ferai les vidéos création, on comprendra mieux tout ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je disais que c'était plus sur le thème du voyage, parce que j'avais l'impression qu'il y avait... Non, c'est la décoration qui veut ça. Il n'y a pas de petit avion. Il y a des cœurs. Oh, il y a beaucoup de cœurs. Donc là, on a la petite pince cœur. Là, on a de quoi faire des œillets fleurs. Est-ce qu'ils sont différents des précédents? Oui, ce ne sont pas les mêmes œillets fleurs. Là, là. Hop. On a une punaise. Le mot love, le mot hi, best wish. Encore des petits cœurs, une flèche. Là, c'est un marque-page. Trombone papier, à faire en papier. Là, ici, on a plein de mots. Donc, on a Friday, Sunday, Tuesday, Saturday, Wednesday, Weekend, Thursday. Non, oui, c'est Weekend, j'allais dire, je l'ai inventé. Non, non, il est bien là. Donc là, on a tous les jours de la semaine en anglais. Monday, ici. Mais ce sont toutes des lettres qui se détachent les unes des autres. Ça ne fait pas un mot qui se maintient. Après, il faut tout replacer. Là, on a un petit trombone. Là, on a cette jolie forme-là, plus ou moins ronde. Là, on a un cœur. Là, on a un petit billet. Et je l'ai dit, trombone et une autre flèche. Voilà pour cet ensemble-là. C'est vraiment très, très joli. Et si j'ai pris ça, c'est parce que j'ai des agendas, je pense comme vous, hein, à acheter chez Action. Alors, je ne savais pas la dimension, mais je vais pouvoir peut-être contrôler. Donc là, j'ai ça. Donc là, non, c'est par deux, donc c'est pas cela. Alors, de chez Action, j'en ai peut-être pas comme ça en trois. C'est peut-être ceux que j'avais acheté sur AliExpress. Mais toujours est-il que j'aimerais bien que ça loge là-dedans. Voilà, vous voyez ? Hop ! Dans ce style d'agenda. C'est du A6, je crois. Je vais vous dire la dimension d'une page. Ça fait... Il me faut ma règle. Elle est là. Donc, ça fait du 21 par 14, à peu près. Et est-ce que ça correspondrait? C'est ça en fait que je voudrais voir. Là, quand on regarde comme ça, quand on superpose, les trous correspondent effectivement à ce type de classeur. Donc après, comme je le pense, hein, il faut absolument, je pense, superposer. Par contre, c'est pas très large par rapport à mes pages à moi. Donc ça ferait des plus petites pages. Là, ça correspond. Ça correspond bien. Bon, je mélange un petit peu tout là. Je m'y retrouverai grâce à mes photos après. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça correspond sans aucun souci. Donc, c'est bien. C'est bien. Je vais pouvoir m'en servir. Et là, c'est un petit peu plus grand. Voilà. Donc, deux tailles différentes. De toute façon, je vous montrerai tout ça en vidéo. Je pense que, voilà, les vidéos, ça aide aussi pour ce genre de choses. Avant d'acheter, savoir si les dimensions peuvent correspondre. Hop! Donc voilà, ça c'était la deuxième matrice. Et donc j'en ai pris une troisième. C'est pas pareil. C'est plus pour faire des... Comment dire? Je vais vous montrer la photo. Les photos, c'est bien pour vous montrer. Pour vous donner une idée du résultat final. C'est comme des tags ou des porte-photos. Ça fait un très joli cadre en tout cas. Et c'est pareil, on retrouve plein de jolis éléments, des papillons. Donc, on a le Celebrate, ici.
Là, on a Hello. Regardez, c'est très très beau. Celebrate. Hello. Donc, c'est en anglais, hein, toujours, bien sûr. Happy. Alors, au niveau des tailles. Donc, ici, le Hello et le Celebrate, ils sont intégrés à la matrice. On ne peut pas les dissocier. Par contre, les papillons, oui. Ici, on retrouve. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Si, on retrouve le même, mais sans mots intégrés. Donc là, une fois qu'on enlève tout ça, on a le cadre tout seul. Là, ici, on en a un autre, mais sans ce rond, là, ici. Et qui ne fait pas... il fait un embossage, mais il ne fait pas une découpe cadre à l'intérieur. Voilà. Là, qu'avons-nous? On a... Ouf. J'arrive pas à voir... autant les mots simples... Ça va autant là, je ne sais pas. Donc, on verra ça pareil. C'est peut-être Every Day. Je ne sais pas. Et là, ça doit être Remember. You, je crois. Non, ça ne doit pas être ça. Je ne sais pas. Bon, bref, on verra ça lors de la vidéo. Je ferai toutes les découpes. Là, on a un smile qui est attaché. Ça, c'est top. Là, je retrouve un I comme j'ai déjà. Et un Love. Mais je crois qu'il est plus grand, celui-ci. Alors, où te caches-tu ? Je vais pas retrouver. Ah si. Alors. Donc là, le I, il est sensiblement pareil. Et le love, il est beaucoup plus grand. Voilà. Et donc, on retrouve des petits éléments sympas aussi là-dedans. Au-delà des mots. Là, ici, on a une découpe timbre de deux tailles différentes. Les papillons qui sont juste magnifiques. Ils sont trop trop beaux. On a. Ici, à l'intérieur, j'en ai pas parlé, on a un petit polaroid où on peut dissocier le mot happy qui se détache en toutes lettres. On a un petit appareil photo, une étiquette, une autre pince de bureau. Mais cette-ci, au lieu d'être un cœur, c'est un rond classique. Une petite bulle, un cœur, flèche et trombone. Voilà. Bon, bah, je vous dis pas que je suis super impatiente de tester. Surtout pour voir si ça pourrait loger. Là-dedans, je suis sûre d'avoir un autre type de carnet, mais c'est peut-être pas rangé là, et c'est peut-être pas à nous, je ne sais pas, mais je prendrai ça comme exemple, ça sera déjà un bon repère si vraiment je ne trouve rien d'autre. Et voilà, il n'y a plus qu'à comme vous me diriez en commentaire, et je suis super pressée. Ouais, c'est chouette, j'avais complètement craqué sur l'idée de pouvoir mettre, alors là c'est une photo d'une personne, mais on peut faire des tamponnages, hein. On peut décorer avec les tamponnages qu'on a. Et puis, on peut, vous voyez, c'est pareil. On peut en mettre plusieurs les unes sur les autres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Et puis, alors, les matrices pour les agendas. Voilà, je suis impatiente. impatiente. Bon, je reclasserai tout ça. Ce ne sera pas compliqué. Bah, y a pas mal de choses à faire. Donc, ça va être du travail. Donc, je ne sais pas. Là, nous sommes toujours vendredi. Pour moi, toujours vendredi 9. Je pense vous mettre cette vidéo le week-end. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pour la semaine prochaine. Mais au plus tard, ce sera pour la semaine d'après. Voilà, j'essaierai d'avoir bien avancé sur ça pendant cette semaine. Et de vous présenter ça, bah, du coup, la semaine d'après ou dans le week-end. Je ne sais pas encore. Bon, toujours est-il que je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Globeland pour ce nouveau partenariat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.